Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour message angélique numéro 3. Je vais donc choisir deux cartes et une carte des anges. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je vais procéder au tirage des deux cartes des anges et à celle de l'ange pour le conseil. La première carte que j'ai choisie est guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. La deuxième carte, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Géliel. Dieu secourable, voici son aide. Il s'appelle Géliel, l'ange réconciliateur. Il éclaire votre vision sur toutes ces illusions prises parfois pour vérité première. À votre demande, il révèle de sa lumière certaines apparences trompeuses. Il vous permet de faire tomber les masques, cachant la vraie nature des personnes de votre entourage. La situation. Sa carte vous apparaît quand il y a un conflit. Géliel vous conseille d'écouter ce que chacun veut dire avant de vous exprimer. Vous pouvez lui demander de vous inspirer des paroles propices pour rétablir la paix avec justice. Il vous aide à conserver votre neutralité pour apaiser les esprits enflammés. L'amélioration. Géliel est ici pour vous stimuler. Laissez-le vous éclairer sur quelques attachements matériels qui vous écartent de la voie et freinent votre progression. Ne soyez pas surpris, avoir fait appel à lui, de voir soudain surgir de lointains souvenirs d'un passé oublié. Vous y trouverez les réponses cachées. Comme d'habitude, je vous laisse méditer si vous avez besoin sur les deux cartes des anges ou simplement sur Géliel si vous avez une demande à lui faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.